Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album anniversaire, donc où je mettrai les photos de ma fille, une photo à chaque anniversaire, donc de sa naissance jusqu'à ses 14 ou 15 ans. Donc je vous l'ai fait en tuto, je vous remets en petit i en haut à droite si vous voulez cliquer, aller voir la vidéo pour avoir le tuto pour faire ce genre d'album. Voilà, je la ferai peut-être cette vidéo sur plusieurs jours, mais vous aurez tout d'un coup. Voilà, donc si vous vous souvenez dans ma précédente vidéo, donc à la base je voulais faire des pochettes, et puis finalement non. Donc je vais faire des pages de 13,5 par 17. Et puis voilà, donc là je vous laisse en musique, hein, parce que je vais juste faire de la découpe. Hop. Et si je me trompe pas, je pourrais en faire deux par page. Voilà, à tout de suite. Alors, juste info, je revérifie, là j'ai rajouté un trait au stylo indélébile pour les 17 cm. Donc j'ai découpé mes petits papiers, en plus du coup j'ai bien choisi mes dimensions parce que j'ai pu en couper 3 par feuille 30-30, et à la fin il me reste des petits carrés comme ça qui pourront toujours servir pour la déco ou d'autres choses. Donc j'ai mis toutes mes chutes de côté pour la suite, pour la déco. Ce qui m'embête, c'est que ça fait pas un nombre pair. Oui, alors moi, il faut que ça soit symétrique, pair, etc. Là, j'en ai que deux. Alors, je sais pas après comment je vais les organiser. Alors, je pensais commencer par celle-là, parce que c'est ma préférée. Mais je pense que je verrai aussi, une fois que j'aurai imprimé les photos, voir quelle couleur il y a sur la photo et qu'est-ce qui irait mieux avec. Donc pour la déco de mon mini-album, je vais principalement me servir de cette planche de Alicia Garden de Eco Park, donc qui s'appelle Birthday Wishes. Je vais utiliser cette planche de Eco Park toujours Let's Party. Peut-être aussi sûrement, oui, celle-là, Dream Big de Simple Stories. Et je l'ai en double, donc c'est cool ça. Et après, j'ai une boîte spéciale anniversaire avec d'autres décos, des dies et tout ça. Donc je vais refaire à mesure. Après, je voulais vous montrer une petite astuce. Je ne sais plus sur qui j'ai vu ça, qu'elle utilisait du papier de cuisson. Elle pose ça par exemple là sur son album, et elle colle par exemple des stickers ou des choses comme ça sur son papier cuisson, comme ça elle voit quand même à travers ce que ça donne, et ça se décolle assez facilement du papier cuisson. Et après bon, vaut mieux remettre de la colle derrière, mais voilà. Donc j'ai commencé à découper mon papier cuisson, et vous voyez, ça tient pas. Et donc, à l'aide des quadrillages, là, j'ai fait des lignes, et puis la ligne du centre, pour pouvoir centrer plus facilement. Hop. Alors, peut-être qu'en laissant ouvert, ce sera plus simple. Bien que c'est pas sûr. Maintenant, parce que j'ai ma tranche qui me gêne. Donc, on va les laisser fermer. Voilà. Donc voilà, là j'attaque un peu la déco, je vous laisse en musique. Hein. J'ai une boîte intitulée anniversaire, je ne l'ai pas ouverte depuis au moins un an et demi, je ne sais pas du tout ce que je vais y trouver. Attention. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, en ce moment, je suis pas trop tamponnage.
En tout cas, pas sur la couverture, sur les pages d'après peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la petite collection là, de Fabrica Décoru qui est pas mal. Est-ce que je rajouterais des petits ballons? Je sais pas, est-ce qu'on voit un peu les ballons là? Je sais pas, à voir. Ça c'est trop petit. Ça non, ça non. Girl Party là, il sera intéressant. Alors c'est vrai que je vais choisir qu'une seule photo par anniversaire, mais sachant qu'à chaque fois on le fait avec ma famille, avec la famille de mon mari, et elle le fait tous les ans avec ses copines. Donc voilà, parce que c'est vrai que là, Girl Party, ça aurait pu être sympa, à moins que je fasse un système de pochettes. En fait, quand je vais mettre mes deux pages, je ne les collerai pas en haut. Et comme ça, je pourrais insérer éventuellement une autre photo. Ouais, je crois que je ferai ça. J'espère que je m'en rappellerai. Comme ça, je pourrais rajouter avec ses copines. Le problème, c'est que quand on sort d'une collection, voilà, ça c'est joli, mais ça va pas avec... Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, c'est du fifi, mais c'est pas du anniversaire spécialement. Oui, et puis birthday, mais bon, ça c'est moche. Ça c'est moche. Ah, ça c'est pas mal. Ah, un petit arc-en-ciel. Là, celui-là, là, comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ça me plaît bien. Donc ça, je vais garder. Ça, non. Ça, non. Ça, à voir. Celle-là, oui, elle est sympa. Celle-là aussi, je la lis en double. Ça, c'est petit. Ça peut peut-être être utile sur certaines photos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un washi tape. Happy birthday. Donc c'est vrai que j'ai du mal à utiliser le washi tape, mais pourquoi pas. Ça peut être sympa, par exemple, si je rajoute dans la pochette, par exemple, anniversaire avec copine et mettre les noms des copines. Ouais. Oh, ça, ça vient d'AliExpress. Ça peut toujours servir. Déco en bois, non, j'ai pas envie. Hop. Ça, bah, c'est Fabrica Décoru, bah, du coup, c'est peut-être la même que l'autre. Ouais, en double, ça c'est cool. C'est ce qui est bien quand c'est pas trop trop cher, c'est qu'on peut se permettre d'acheter en double. Ça c'est moche, c'est du action, c'est moche. Donc, ça j'en veux pas. Ça, à voir. Hop, je remballe. Alors du coup, je suis sur deux projets en même temps là, pendant que je filme les vidéos. Mon album Vacances Center Park et là les anniversaires de Léa. Hop, donc j'ai dit que je prendrais bien là le petit celui-là là. Alors du coup, est-ce que je baisserai pas les lettres? Plus bas. Et que je mettrai pas ça là. Avec des petites étoiles. Allez, c'est parti. Hop. Hop.
ça me paraît pas mal, hein. Alors après, j'espère qu'avec les ballons en dessous, ça ira. Cette planche-là, si ça vous intéresse, Doodlebug Design Inc. Mais je crois qu'elles ont pas de nom. Alors c'est la 5603 Fairy Tales. Voilà. Hop. Donc bah, maintenant on va passer au collage. Hein, une fois que. Alors j'hésitais à mettre de la naissance à 14-15 ans, je sais pas encore trop, mais je le mettrais peut-être ici. Je sais pas. Après j'ai pas précisé dans la vidéo précédente pour la couverture. Vous pouvez, enfin là ce serait un peu juste, mais prévoir un trou avec une crocodile par exemple pour mettre un œillet et y suspendre un bijou d'album. Moi je suis pas trop bijou d'album, mais bon. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je colle ça hors caméra et puis vous me retrouverez. Alors moi, genre, tant que ça recharge, on aura bien pour 2 heures. Ça va me permettre de faire une petite pause parce que j'ai fait beaucoup de scrap aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire, mais voilà, vous me retrouverez tout à l'heure. Bon, ça m'a pris 2 minutes, donc en effet, ça colle pas sur le papier calque. Et là, une fois reposé, ça a l'air de coller. À voir dans le temps, je reverrai si j'aurai besoin de recoller. Alors bon, c'est vrai que finalement le motif ballon, voilà, ça gâche peut-être un peu, mais bon, globalement, je trouve ça sympa. Donc voilà pour la couverture. Et donc oui, je décore pas mes pages tout de suite parce que j'attends les photos. Et puis en plus, c'est plus facile à décorer à plat que si je les colle là. Après, ça va être compliqué à décorer, donc je les collerai en dernier. Voilà, donc moi je vous retrouve quand j'aurai réussi à imprimer les photos je sais pas, ça dépendra s'il me reste de l'encre ou pas. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure pour vous et moi à plus tard. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, enfin beaucoup plus tard, il est plus de 22h30. Mais c'est vrai que là en ce moment je prends de la cortisone. Et la cortisone, ça donne la pêche. Ça fait aussi des nuits blanches, mais bon. Et donc, j'ai scrappé de 8h ce matin jusqu'à quasiment toute la journée. Et donc, j'en profite. Hein, comme ça, ça fera des vidéos d'avance que je pourrais mettre un peu après quand je reprendrai le travail. Donc, on en était à mon album. J'ai choisi les papiers et leur emplacement. Et je les ai attachés avec de la pâte à fixe. Voilà, comme ça je sais. J'ai pas pu encore imprimer toutes les photos parce que comme je pensais, j'arrivais à la fin de mes papiers de Canon Selfie. Donc j'en ai recommandé, je les recevrai d'ici quelques jours. Donc je pourrais imprimer les autres. Donc je me suis marquée à chaque fois avec un petit post-it l'année et l'âge. Donc ça, ce sera la photo de naissance. Et voilà, donc là c'est un an. Ce que j'ai fait pour des photos, parce que la plupart étaient en paysage, celles qui étaient en paysage, ça m'embêtait. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai pris un carré de 10 par 10 en papier de cuisson. Et comme ça, je peux me lire dessus et voir à travers est-ce que ouais c'est bon et est-ce que je la coupe en 10 par 10 ou pas. Donc cette photo-là, par exemple, je pense que je verrai si je peux la réduire en format pour pouvoir mettre un peu plus de déco. Je ne sais pas encore. Après, donc tout ça, j'ai pas de photo pour l'instant. Voilà. Donc on commence à ses 6 ans. Donc vous voyez, j'ai pris mon calque. Ça, c'est une grande photo portrait, je crois. J'ai pris mon calque et je me suis dit, oui, c'est bon, ça rentre. Donc voilà. Donc je vous montre vite fait. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Alors 10 ans, celle-là, c'est pareil, elle est grande. Donc je verrai si je peux la rétrécir. 11 ans, alors sur cette photo là elle n'est pas terrible mais c'est la seule photo que j'ai. 12 ans, 13 ans et 14 ans et puis bah, l'année prochaine je rajouterai ces 15 ans. Voilà pour ça. Ensuite j'ai préparé des cardstock dans les tons roses pour mater mes photos. Voilà. J'ai préparé une perforatrice bordure.
Donc c'est vrai que j'ai pris un carré de 12 par 12, mais une fois la bordure faite, ça rétrécit vachement. Mais ça fait pas moche. Après, il faut que je mette l'âge sur chaque page. Donc j'ai retrouvé des stickers là. Donc j'ai vérifié que j'avais assez de chiffres 1. Parce que là, par exemple, cette année, on a voulu faire une vraie déco pour son anniversaire. Et quand on est allé dans un magasin spécialisé de déco, que ce soit les bougies, les ballons à l'hélium ou tout ça, le chiffre 1, ils étaient en rupture de stock. À chaque fois, c'était une horreur. Donc là, j'ai vérifié. Normalement, j'ai de quoi faire. Sinon, j'ai cela. Mais je pense pas. Et après, je me dis, est-ce que je les colle comme ça dans un angle? Est-ce que j'utilise, mais j'ai que ça comme étiquette? Et puis, par exemple, voilà, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il faudrait que je recommande pour ces 15 ans. 14. Il m'en faut 16. Mais bon, d'ici là, j'aurai le temps de recommander, bien que je sais pas. Ou alors, je découpe un rond, un carré, enfin quelque chose à la perfo. Et je mets les chiffres dedans. Tuc tuc tuc. Ben, je sais pas. Après, oui, j'ai ces étiquettes-là que j'ai fait moi-même. Avec le tampon bois de chez Florilège Design. Ça peut le faire aussi. Mais pareil, est-ce que. Bon, après ça, je peux toujours en refaire. Et puis je pourrais. Comme ça. Ou comme ça. Oh, je préfère celle-là finalement. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc là, j'ai dit que c'était ses 8 ans. Alors, on va essayer déjà de trier les roses. Bon, voilà, je vous laisse. J'ai cogité à voix haute, ça m'a fait du bien. Je vous laisse en musique. Bon, alors, hors caméra, j'ai continué à réfléchir. Et finalement, je me suis dit pourquoi. Alors, j'ai trié toutes mes étiquettes roses. Et sinon, je me suis dit pourquoi pas utiliser ma Dimo. Donc j'ai imprimé un premier test, bon c'était trop petit mais. Et je me suis dit, c'est vrai que je me souviens que j'en avais acheté du transparent. Alors bon, vous appelez ça transparent, ouais. Ça fait un peu. Donc je sais pas si finalement je serais pas mieux sur du blanc. Est-ce que ça choquerait pas moins? Parce qu'après j'en ai du bleu. Ouais, je sais pas. Aussi, est-ce que vous savez du coup, là j'ai. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une petite spatule là de rangée. À quoi ça sert? Si vous savez, que vous voulez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer? Est-ce que ça fait une sorte de mini éponge? Je sais pas. Si vous savez, bah, je veux bien que vous me le dites. Pardon, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Et voilà. Bon. Va falloir que je prenne ma décision quand même. Ou alors je reste avec. Mais alors là, je vais avoir de toutes les couleurs et pas que du rose. Et je vais avoir que le chiffre 12 et pas en. Difficile parfois de prendre une décision, hein. Bon, bah, je réfléchis hors caméra. Bon, je me suis décidée, je pars sur le blanc. Voilà, ce sera peut-être ce que le transparent. Voilà, donc maintenant la déco, cette fois-ci en musique.
Voilà, j'ai fini la première page sur 16 pages. Ouais, j'ai mis du temps quand même à réfléchir et tout, mais le résultat me plaît bien. Donc celle qui sera à gauche pour les 7 ans, je vais partir comme ça, un peu les mêmes tons. Je vais partir sur le même style. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite en musique. Vous connaissez la chanson maintenant. Bon là je vous ai coupé parce que c'est assez long à faire. Est-ce que vous avez une astuce quand vous arrivez dans les angles, qu'on se retrouve avec des choses voilà, pas terribles? Donc là il y en avait deux qui étaient ratés, j'ai caché par l'étiquette et par l'étoile. Pardon, j'ai oublié que j'avais zoomé. Mais voilà, si vous avez une astuce, je la veux bien en commentaire. Merci! Bon voilà, j'ai reçu ma recharge pour la Canon Selfie, donc je vais pouvoir, enfin j'ai réimprimé les photos qui me manquaient, j'ai refait certaines qui me paraissaient trop grandes, et puis voilà, je passe à la déco du reste, et je vous laisse en musique. We'll be right back.